Mais et si? Et si la France était championne d'Europe? Si les Bleus étaient sacrés à la maison, Didier Deschamps aurait sa statue au beau milieu de la place Vendôme. Ouah, c'est laid! Karim Benzema, un temps décrié, ferait lui un bond de géant dans le cœur des Français. Le journal du dimanche vient, lui, de publier son traditionnel palmarès des personnalités préférées des Français. Et c'est le Karim Benzema, deuxième Gad Elmaleh, suivi de Yannick Noah. Je suis le plus heureux. La formation bleu-blanc-rouge serait de nouveau à la mode et le monde entier s'arracherait nos pépites made in Ligue 1. Non, mais c'est pas que c'est pas drôle, c'est que c'est pas une blague. Enfin, le titre européen donnerait à nos bleus une nouvelle notoriété. Espérons juste qu'à l'instar de leurs glorieux prédécesseurs, ces champions d'Europe-là sauront rester simples. J'aime bien ça. Moi, j'ai toujours trouvé que les voitures, c'était des personnes humaines. Ça, vous avez pas vu ça à Los Angeles aussi. J'ai juste mis un peu les vitres teintées, donc devant aussi. Donc voilà, et puis il peut surtout changer les pneus et les jantes. Voilà, ça fait un peu rappeur, mais... Olivier Dacourt est mort de rire. Vous regrettez pas votre petit passage là dans l'automoto, France? Mais non, mais oui, c'est un peu ça. Ouais.